On va marcher aujourd'hui pour faire éclore des E7 km puisque depuis que l'Ultra Bonus a été débloqué, dans les E7 km on peut avoir les Pokémon régionaux de la 1G. Vous voyez qu'il ne me reste plus que 700 mètres à faire pour éclore ces 9 E7 km habituellement des œufs d'Alola, mais on a peut-être des régionaux qui sont mélangés là-dedans. A priori le taux est très très faible, j'ai absolument pas de chiffres, mais de tous les E7 km que j'ai vu éclore sous mes yeux, eh bien j'ai encore vu aucun Pokémon régional apparaître. Donc c'est parti pour 700 mètres pour faire éclore cette première fournée et on en fera une deuxième juste derrière. Jusqu'à fin septembre, il y a beaucoup de spawns rares de la 1G qui deviennent vraiment communs. J'ai dû capturer une petite dizaine de levénards depuis hier. C'est depuis hier, à l'heure où je parle, que cet événement a commencé. Là, ici, par exemple, on trouve un rhinocorne. C'est un truc que je trouve très, très rarement. D'ailleurs, mon premier rhino féroce, je l'ai eu il n'y a pas si longtemps que ça. Et je crois qu'il a fallu que je fasse un raid pour ça. Moi, ça me va très bien parce que rhino féroce, c'est un très bon Pokémon. Puis, ça évoluera en Rhinastock avec la 4G. On va y aller. Je vais carrément y aller à l'Hyperball. Il y a un Porygon vers lequel je me dirige. Il est au Pokéstop d'après. Bah, c'est sûr que si je loupe mes balls, j'en ai vraiment très, très peu. Je crois qu'il y a une journée où j'ai pas swipe de Pokéstop parce que je voulais justement ne pas récupérer deux et je voulais avoir de la place pour récupérer les E7 km dans les cadeaux. Oh, il y en a des choses ici. Alors, Nidoranimal, il m'en faut parce que j'ai qu'un seul Nidoking et j'en voudrais un deuxième. Il y avait un truc sympa juste avant. Merde. Il a disparu, le con. Il a disparu. Bon, je vais prendre le Porygon déjà. Ah oui, c'était un Evoli, d'accord. C'est pas si fou que ça, hein. Quand on a fait le Community Day, c'est pas si important que ça, les Evoli. On va y aller à la nanana, évidemment, sur Porygon. Porygon Z, bon, faut que j'arrête de parler de la 4G, mais quand Porygon Z arrivera, ce sera un très, très, très bon DPS neutre, peut-être l'un des tout meilleurs, en vrai, hein, parce que le type normal, ça a quand même un coverage neutre très, très sympathique. Voilà, un petit Porygon récupéré à la nanana. J'en ai encore plein à échanger, j'ai fait pas mal de raids. Merde, c'est parti, j'appuie sur l'écran comme un gros sac. C'est parti pour la première fournée. On a un Cartichaut directement dans le premier œuf. Alors, c'est surtout Kangourex que je veux, puisque Cartichaut, bah, vous le savez, mon frère m'en a envoyé plusieurs. D'ailleurs, la vidéo est sur ma chaîne, hein, si vous voulez voir la vidéo dans laquelle on a échangé Cartichaut contre Tauros. Tauros, vous le savez, j'en ai plein. Par contre, Kangourex, j'en ai qu'un seul. J'ai déjà complété mon Pokédex 1G, mais je veux d'autres Kangourex. J'en veux au moins un autre. Avec cet événement, j'aimerais bien finir avec 4 Kangourex, donc il m'en faudrait 3 nouveaux. Un Porygon. What, un Porygon dans un 9-7 km? Alors oui, j'avais entendu parler qu'il y avait sac de nœuds et autre chose, et je suppose que cette autre chose, c'est Porygon, ou alors c'est tout simplement du pop 1G très très rare, puisque non, il n'y a pas que les régionaux dans les E7 km. Il y a un Topicker là dans cet œuf là. Bon, clairement, c'est une déception par rapport à ce qu'on a eu avant, mais je pense que ça va être souvent comme ça. Par la suite, on va avoir beaucoup de Pokémon d'Alola qui vont pot. Mais oui, un Rakaillou, bon, c'est pas le pire non plus, faut pas exagérer. Hein. Rakaillou et Goupix, ça reste plutôt sympathique. Rakaillou parce que ça donne du bonbon à Rakaillou et c'est plutôt utile. Goupix parce qu'il est assez rare. Mais les autres, c'est vrai que c'est un petit peu la poubelle. Genre Miaouss par exemple. Topicker, c'est un petit peu la même merde. Et on a un Monsieur Mime. Alors ça, c'est la full baise. Pourquoi? Parce que Monsieur Mime, on l'a déjà en Europe. Qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir Monsieur Mime dans des œufs? C'est vraiment terrible ça. Non, le dégoût est total. Mais non, c'est vraiment le régional qu'on veut le moins. Moi, c'est Kangourex que je veux. Je le veux par-dessus tout. Bon, Cartichaut, ça fait plaisir quand même. Hein. C'est le deuxième régional qui m'intéresse le plus, on va dire. Un Miaouss, j'en parlais, on n'en veut absolument pas, mais 11 bonbons seulement. Bon, de toute manière, qu'on en ait 11 ou qu'on en ait 40 000 des bonbons Miaouss, j'en ai pas l'utilisé de toute manière. Et c'est encore un Porygon, deux Porygons, dans une seule fournée. C'est pas habituel, on va dire. Disons que c'est comme si on faisait éclore à 9-10, mais en faisant moins de distance, hein, quelque part. Mais c'est pas vraiment ce qu'on veut. J'ai pas encore eu mon Kangourex, donc je ne suis pas encore totalement satisfait. Et il reste un œuf. Ah, je me suis trompé dans le compte. Il reste bien un œuf. Ce n'est que la première fournée. Je crois qu'on va terminer là pour la première fournée. C'est un Goupix. Ma chance au Goupix continue, puisque je crois que c'est mon... Je sais pas si c'est mon 6e ou 7e, quelque chose comme ça. Si je reçois le cadeau de Galius, on va passer niveau 3 d'amitié. Mais j'ai pas envie d'enfler sur le passage niveau 3 avec l'œuf chance. Vous savez, si on n'utilise pas l'œuf chance, on gagne 50 000 d'XP. Alors que si on met un œuf chance, on récupère 100 000 d'XP. Donc je vais l'appeler. On va voir s'il répond. S'il répond pas, il aura pas ses 50 000 d'XP en plus. Hello darkness, my old friend.
Bonsoir Arnaud, c'est Jean-Pierre Foucault. Je vous appelle car votre ami Thomas a une question à 48 000 euros et souhaiterait votre aide. Ouais Arnaud, c'est Thomas. Je t'appelle pour te dire que tu ne vas pas récupérer 50 000 d'XP en plus puisque je vais recevoir ton cadeau. On va passer niveau 3 d'amitié. J'espère que tu me donneras un œuf d'Alola, enfin un œuf 7 km, je l'espère. Je te fais des petits bisous et je te dis à bientôt sur YouTube. Tant pis pour lui, je vais recevoir son cadeau. Je vais passer niveau 3 amitié, il le saura pas. Alors peut-être que s'il reçoit le message avant de lancer le jeu, il aura le temps d'utiliser un œuf chance. S'il l'utilise en vitesse, peut-être qu'il aura le temps, je lui souhaite, mais dans le pire des cas, eh bien, écoutez, je prendrai de l'avance sur lui en niveau, je crois que je suis devant lui, ouais, il n'est même pas encore niveau 37, on va récupérer son cadeau, j'espère qu'il ne va pas m'en vouloir, je suis désolé, son cadeau des docks de Marseille, on va recevoir ça, si j'ai fait tout ça alors que ça ne me donne pas un œuf d'Alola, je suis un petit peu déçu. Et effectivement, j'en reçois même pas d'œuf d'Alola, tout ça pour ça. Et ben voilà, je prends 100 000 d'XP avec Gallius. Ce qui est certain, c'est que j'ai 9 E 7 km. On va les mettre à incuber. Oh, il y en a de partout en France et peut-être même dans le monde. Non, dans le monde, je crois pas par rapport à ce que j'ai reçu. Il y avait Metz, là il y a Paris. Du coup, c'est reparti pour de la marche. J'ai 4,7 km à parcourir pour faire éclore cette deuxième fournée. Voilà, une photo de ma bite. J'ai trouvé un petit Ammonita qui est tout shiny. Il est violet. Alors on va prendre ça en photo. Il la mérite bien. On screen ça et on enverra sur Twitter pour évidemment faire encore des envieux. Attention, le Kabuto. Est-ce qu'on va faire la doublette Ammonita plus Kabuto? Non, ça aurait été tellement beau. Le Kabuto est pas shiny, mais c'est pas très grave parce qu'en ce moment, il y a masse de trucs intéressants. Regardez-moi ce magnifique levénard. Ça fait déjà une dizaine, un truc comme ça depuis hier, c'est n'importe quoi. 1156, même pas météo boosté. Je vais y aller à la nanana argentée. Je n'ai que des Super Bowls, je vous l'ai dit, c'est vraiment la dèche totale. C'est un super lancé. J'ai l'impression que la nanana argentée, ça, c'est pas juste une frambie normale hein, pour les chances de capture. Parce que j'ai l'impression d'avoir tout rentré avec les nananas argentées. Je pense que c'est plus comme une frambie dorée en vrai. Plus la nanana, évidemment. Et ça fait un levénard de plus. J'en ai capturé plus depuis hier que n'importe quand avant. Ah, c'est parti. La deuxième fournée. C'est parti. Est-ce que je vais avoir mon fameux kangourex? Alors certes, j'aurai le temps d'en récupérer un autre jusqu'à fin septembre. Je sais bien, mais j'aimerais bien avoir ça en vidéo. Un tas de morves. Alola, je sais pas si les tas de morves Alola peuvent être shiny ou pas. J'ai pas eu vent de ça. Je sais pas si c'est pareil pour les racailloux. Du coup, deuxième œuf. Il en reste 8 encore à éclore en comptant celui-ci. Est-ce qu'on a un région exclusive? Non, c'est un miaouz. J'avais dit qu'on allait s'en taper. C'était à peu près garanti. Ce n'est que le deuxième quelque part hein, sur les 11 eux qui ont déjà éclos. Donc c'est pas énorme. Encore un miaou, s'il suffisait que je le dise. Non, franchement, j'ai pas été médisant, j'ai pas dit on va s'en taper trop ou non, on va avoir plein de régions. J'ai pas fait de call, j'ai pas été présomptueux ou quoi que ce soit. Allez, le quatrième œuf, c'est un sabelette. Ah bah c'est sûr qu'après avoir eu un canard tissu dans le premier œuf, je me sens un petit peu lésé maintenant. On dépasse la moitié de cette deuxième fournée avec cet œuf là et peut-être avec un régional. Non, c'est un racaillou. Bon, quitte à avoir une forme Alola, je préfère avoir racaillou, mais ça n'est pas vraiment ce que je veux. Vous le savez. Et peut-être que ce sixième œuf va me combler. Et c'est un... Non, c'est un sablette. Encore une fois. Plus que 3 œufs d'Alola. Enfin, œufs 7 km. Non, d'Alola. Forcément, si je dis d'Alola, je me porte la poisse. Encore un tas de morve. Aïe. Plus que deux œufs pour mon fameux kangourex. Non, je veux mon kangourex. C'est le plus compliqué pour moi. Tauros, ça va. Tauros, c'est bon. Monsieur Mims, il n'y a pas de souci. Cardichaud, non plus. Kangourex, oui, il est là. Oui. C'est l'amour de ce Pokémon. Vous savez, en 2016, j'avais fait un poème pour Kangourex quand les méga évolutions ont viré du VGC. J'ai fait un poème pour lui. C'est un œuf qu'on m'a envoyé depuis Paris. Je ne sais pas qui me l'a envoyé. Mais en tout cas, un grand merci à cette personne puisque ce Kangourex, il est magnifique. 1355 PC. Il n'est pas à plus 80%, mais franchement, je m'en fous. Je suis super content d'avoir mon deuxième Kangourex puisque j'en ai déjà eu un par échange.
Je suis vraiment super super content. Il reste encore un œuf, mais à partir de là, je suis déjà vraiment content. Je voulais au moins un kangourex dans les derniers œufs. C'est encore un racaillou. Bah écoutez, c'est une forme d'aloe qui m'intéresse puisque les racaillous, Grolem, c'est plutôt un bon Pokémon. Donc ces bonbons sont super intéressants. J'ai déjà shiny check les deux Magikarp et le Coquillas. Donc je sais qu'ils ne sont pas shiny. Désolé, je vous ferai pas le shiny check. On en reste donc là pour cette vidéo. J'espère que cette ouverture et cette petite balade Pokémon Go vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu si vous l'avez apprécié cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous êtes les bienvenus. Alors n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche pour ne pas louper les sorties des prochaines vidéos. Et je vous dis rendez-vous très bientôt. Salut tout le monde.